comme ça. Allez. Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Et bienvenue pour ce second webinaire du MOOC Démocratie. Voilà, ça fait vraiment très plaisir de vous retrouver. Donc, nous étions le 17 décembre en direct de Paris pour parler de gilets de sauvetage pour la démocratie. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans les environs de Montpellier avec les invités que je vais présenter dans un instant autour de l'échelle locale. Est-elle la clé du succès de la transition? Donc c'est un webinaire qui fait partie du MOOC Démocratie. Le MOOC Démocratie, donc, c'est un MOOC qui a été lancé par l'Université des Colibris en fin octobre et qui se prolonge jusqu'au 13 janvier. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, il est encore possible de s'inscrire et il suffit de se connecter au moins une fois pour continuer à avoir accès à tous les contenus, même après la fermeture du MOOC le 13 janvier. Donc voilà, il est encore temps si vous le souhaitez. De vous inscrire. Je me tourne tout de suite vers mon premier invité, celui du milieu, qui s'appelle donc Laurent Marceau. Donc Laurent, tu as été animateur nature, spécialiste de la coopération et du numérique. Tu as beaucoup travaillé à différentes échelles. Tu te définis maintenant comme un secoueur de cocotiers. Sinon, la pulpe reste en bas. C'est ce que j'ai pu trouver sur ton site. Et du coup, j'ai envie de te demander tout de suite, est-ce qu'il faut une part d'impertinence pour coopérer de manière efficace? Bonsoir. Alors, ce n'est pas moi qui me définis comme secoueur de cocotiers, c'est les gens qui me définissent comme ça. Et qui à la fin des moments de croisement, souvent me disaient, tu nous as beaucoup secoué la tête et tout ça. Donc, à la fin, j'ai dit, autant m'appeler secoueur de cocotiers. Donc, ce n'est pas moi qui me suis auto-proclamé. Et donc la question c'était, pardon, est-ce qu'il faut une part d'impertinence pour bien coopérer? Je pense que moi ce que j'aime beaucoup dire c'est que c'est des choses qui sont éminemment sérieuses mais qui méritent de pas trop se prendre au sérieux. Donc à la fois il faut se frotter sur des sujets qui sont des sujets compliqués, complexes, on verra, on en parlera certainement à venir. Mais par contre, il faut rester dans la convivialité, dans le plaisir. Sinon, dès que les humains se croisent, c'est uniquement pour être triste et être dans le pathos. En général, ils n'ont plus envie de se croiser. Et ça, c'est le début de la fin de la coopération. Ok. Et pour toi, en quoi l'échelle locale te semble pertinente pour agir? Alors, elle me semble pertinente parce que on est face à des objets qui sont des objets qui sont proches, et donc qu'on peut assez facilement triturer, discuter, co-élaborer. L'exemple, c'est... moi, je suis récemment élu dans un petit village, et on est en train de travailler sur la mise en place de jardins partagés. Alors, jardins partagés, jardins familiaux, enfin, des choses comme ça. Et on s'aperçoit que le fait de mettre ce sujet-là en œuvre au niveau de la commune, ça lève tout un tas de questions et de modes de fonctionnement qui sont au final assez antagonistes, mais qui du coup sont passionnants à triturer. Et là, on s'aperçoit que c'est des très beaux sujets prétextes qui permettent d'apprendre à fonctionner de manière tout à fait conventionnelle, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a vraiment des gens qui souhaiteraient qu'on fonctionne comme ça et qu'on décide dans un petit coin pour les autres, et puis d'autres qui souhaiteraient qu'on le fasse ensemble. Donc là, à la limite, que le jardin se fasse ou pas, je n'en ai rien à faire. Par contre, que les discussions se fassent sur des sujets pas trop théoriques, mais justement extrêmement connectés à du concret, là, je trouve qu'ils sont relativement passionnants. Très bien. Mais, donc, il y a déjà plusieurs sujets qu'on va pouvoir creuser. Mais avant d'aller plus loin avec toi... j'ai envie de me tourner vers toi, Elisabeth. Donc, voilà. Elisabeth a participé donc à l'Institut de recherche et de débat sur la gouvernance. Tu as commencé par intervenir au niveau international. Puis petit à petit, tu t'es recentré sur l'échelle communale. Aujourd'hui, tu es membre de Commons Police, donc une structure franco-espagnole qui appuie les acteurs des communs et du municipalisme et de la transition. Et tu es Madame Municipalisme, c'est moi qui te définis un peu comme ça, du mouvement Utopia. Et donc, toi, pourquoi tu es passé de la gouvernance mondiale à l'échelle locale? Parce que la gouvernance, on la retrouve à tous ces niveaux-là, et que c'est un mot qui était
très connotée à l'échelle internationale, qui était capturée pendant un temps par les institutions financières internationales, alors que c'est un mot qui vit au quotidien dans nos sociétés, au plus concret, au plus près de chacun de nous. Et donc, mon travail précédent à l'IRG consistait à montrer justement qu'il y avait des manifestations concrètes, proches, et pas du tout enfermées dans les définitions du copier-coller des méthodes de management de l'entreprise aux administrations publiques, comme le proposaient notamment les institutions financières internationales. Et puis, après, ce qui était vérifié aussi, c'est que le débat qu'on rencontre aujourd'hui, et qui est très vif, très brûlant, comme on a aujourd'hui en France sur les questions de démocratie, il était beaucoup traité au niveau international, au niveau des politiques de coopération internationale, au niveau des politiques de plans d'ajustement structurel, et puis d'une certaine époque où il fallait copier-coller des modèles du Nord au modèle du Sud. Et progressivement, ces questions sont devenues de plus en plus brûlantes dans des contextes plus proches de nous, en Europe et puis en France aussi. On est en plein dedans en ce moment. C'est aussi ce qui nous a amené à travailler de plus en plus sur nos contextes, à revenir, et c'était vraiment un engagement de notre part à l'époque, de revenir dans des contextes plus proches de nous, au niveau municipal. Et aujourd'hui, je trouve que c'est intéressant parce qu'on est dans une actualité qui nous montre comment, en fait, en redéfinissant la façon qu'on a de vivre dans nos villages et dans nos villes, on redéfinit nos pays, on redéfinit un monde et une société, en fait. Et justement, moi, dans les recherches que j'ai pu faire là pour préparer ce webinaire, donc on a vu que dans le mouvement municipalisme, les villes se sont autonommées de fearless cities, donc les villes sans peur. Et je me suis demandé justement, mais de quoi n'ont-elles pas peur ? Alors, ces villes sans peur, alors voilà, justement, ça donne une première réponse aussi à ton interpellation de tout à l'heure sur le niveau international. Ces villes sans peur, elles se construisent en réseau. Les villes municipalistes, leur capacité, c'est une capacité d'alliance, de confluence, qui admettent leurs interdépendances, qui admettent qu'en fait un problème de réfugiés climatiques, de migrants pour des guerres ou de violences économiques et sociales nous concerne tous autant du local qu'au niveau du mondial. Et ces villes refuges, ces villes sans peur, sont des villes qui aujourd'hui tissent un réseau international. Qui se reconnaît à travers le mouvement des Fearless Cities. Et de quoi n'ont-elles pas peur ? Elles n'ont pas peur du courage politique, elles n'ont pas peur de l'engagement, elles n'ont pas peur, de répondre à ces problématiques de réfugiés, de spéculation immobilière, d'inégalité, de racisme, de patriarcat, de féminisation de la politique. C'est un peu tout ça qui est derrière. Ouais. Ben, je te remercie. Oui. Donc juste avant de passer à mon dernier invité, j'ai envie de vous dire, n'hésitez surtout pas à réagir, à poser vos questions. Ce soir, nous avons Florine qui est avec vous derrière les écrans et derrière les caméras et qui nous fera passer toutes vos questions. Et moi, ce qui m'amène justement là, quand on parle de courage et également de participation, Armelle Lecoz, toi, tu es designer de formation. Tu t'intéresses dès ton école au potentiel des outils du design pour réfléchir les services publics. Tu cofondes le collectif Démocratie Ouverte, la plateforme Parlement et Citoyens. Durant les élections municipales de 2014, tu pars 6 mois sur les routes de France à la rencontre des citoyens et des maires innovants. Puis tu coordonnes le programme Territoire Hautement Citoyen, je ne voulais pas l'écorcher. Donc, il y a un peu le labo de démocratie ouverte, donc qui mène des expérimentations d'innovation démocratique, notamment en région Occitanie. Est-ce que tu peux nous parler justement un peu de cette expérimentation ? Bonjour Yann et bonjour à tous. Du coup, en effet, le collectif Démocratie Ouverte, qui est partenaire du MOOC Démocratie de Colibri, mène des expérimentations à travers son laboratoire. Donc quand on dit mener des expérimentations, c'est-à-dire qu'on va tester des nouveaux outils, des nouvelles méthodes, des nouveaux dispositifs de participation citoyenne, d'engagement citoyen dans les territoires. Et là, avec la région Occitanie, on s'attaque à une problématique qui est souvent une problématique récurrente dans tout ce qui concerne la démocratie participative, c'est essayer de s'attaquer au problème des TLM,
Donc les toujours les mêmes, c'est quand on ouvre un dispositif participatif, on a l'impression qu'il y a toujours les mêmes personnes qui viennent y contribuer, et souvent un petit nombre de personnes, en tout cas dans les dispositifs ouverts par les institutions. Parce qu'on voit qu'à côté des institutions, en ce moment sur les ronds-points, à d'autres moments et d'autres endroits sur des places, il y a des gens qui viennent contribuer, qui viennent dire des choses, mais pas dans le cadre institutionnel de débat proposé par l'institution. Et du coup, là, ce qu'on essaye de tester et d'expérimenter avec la région Occitanie, c'est une massification durable de l'engagement citoyen, que ce soit l'engagement aux prises de décision, c'est-à-dire que la région, par exemple, il y a beaucoup de gens qui réclament en ce moment le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Bah, la région Occitanie est en train de mettre en place, là, en ce moment même, un RIC régional, donc des votations d'initiative citoyenne, pour répondre à ce besoin de démocratie plus directe. C'est des choses qu'on teste avec la région Occitanie. D'autres manières de créer de l'engagement de manière durable, c'est d'aller chercher un premier cercle de citoyens déjà engagés en faveur de l'intérêt général, que l'institution connaît déjà un petit peu, auquel elle sait s'adresser, et de proposer à ce premier cercle d'aller contacter lui-même un deuxième cercle plus éloigné. Parce qu'une institution régionale aujourd'hui, de la même manière qu'un département ou des grosses villes, elle a du mal à s'adresser à tous les citoyens. Elle a souvent un langage assez descendant, voire condescendant, vécu comme condescendant, très administratif. Et du coup, ça, c'est un peu en train d'évoluer et de changer. On pousse à ce que ça change, à ce que ça évolue, mais notamment en s'adressant à un premier cercle de personnes engagées auprès de la région qui, elles-mêmes, avec leur propre langage, peuvent aller contacter d'autres personnes. Je donne un exemple très concret. Si jamais, vous, en tant que citoyen, vous êtes contacté par... je sais pas, une association dans votre quartier que vous connaissez déjà, dans laquelle vous êtes engagé, et qui vous dit venez contribuer à telle démarche ou sur tel site internet ou à telle réunion publique, vous aurez probablement beaucoup plus confiance que si vous recevez un tract ou un email ou un courrier de votre institution, parce que c'est une personne de confiance qui vous le dit et non pas une institution qui vous semble éloignée. Du coup, j'ai envie de rebondir, donc il y a plusieurs choses qui peuvent être intéressantes, mais justement, sur tout ce « toujours les mêmes », je t'ai vu hocher la tête, est-ce que aussi à Claré, tu peux voir finalement toujours tes quatre copains monomaniaques des jardins partagés ? Alors, justement, c'est une grosse tendance, c'est évidemment le cas. Après, ce qui me semble intéressant, c'est justement aussi de travailler sur des contextes, des portes d'entrée, qui soient des portes d'entrée radicalement différentes. Et je pense que là-dessus, on va parler juste de Claré. Moi, je suis sur deux projets en parallèle de la municipalité. L'un, c'est d'être pompier volontaire. Et là, je me suis aperçu en m'impliquant chez les pompiers, que, alors que je connais vraiment très, très bien le village, je suis plutôt quelqu'un de bien intégré, sur 40 pompiers, j'en connaissais deux. Et donc, c'était vraiment l'effet qu'en sortant de ma zone de confort, là, j'ai pu côtoyer des personnes qui sont extrêmement différentes. Autre projet, on est en train de mettre en place un espace de coworking ou un tiers-lieu, de machin comme ça à la mode. À chaque fois qu'on fait des réunions, on se retrouve avec 10 à 15 personnes, des personnes qu'on ne connaît pas. Et ça, c'est vraiment, il me semble intéressant d'avoir sur des territoires des portes d'entrée qui soient des portes d'entrée radicalement différentes. Et on pourrait rajouter à ça le bar du village, la place du marché. Ouais, je crois qu'il y a un certain nombre d'endroits comme ça qui sont des belles portes d'entrée, mais les considérer comme des portes d'entrée d'action du territoire, vis-à-vis du territoire. Et voir comment ces portes d'entrée à la fois s'identifient entre elles et sont capables de dialoguer entre elles. Et que quels que soient les sujets abordés, eh bien, ils puissent avoir un peu des systèmes de passerelles internes, de mise en réseau interne, on va dire, pour que du coup, quel que soit l'endroit où tu donnes ton idée, quel que soit l'endroit où tu proposes quelque chose, où tu poses une question, eh bien, on puisse te renvoyer au bon endroit du territoire. Parce qu'effectivement, pour les gens, c'est pas évident. Et les gens sont là où ils sont, et donc c'est très compliqué, parce que déjà, à l'échelle d'une commune, c'est pas si évident que ça. Donc, changement d'échelle au niveau d'une région, c'est encore pire. Comment se débrouiller pour que toutes ces portes d'entrée identifiées soient identifiées comme des portes d'entrée du territoire ? Et donc, dans la possibilité de le questionner, dans la possibilité d'y interagir, dans la possibilité d'en être au courant. Je sens encore interagir. Oui, parce qu'il y avait plusieurs mots-clés et puis plusieurs points qui me font connecter avec les démarches municipalistes qui sont...
la radicalité démocratique, cette proposition qui est une radicalité positive, hein, pas d'affrontement, mais vraiment d'aller pousser jusqu'au bout une exigence, une éthique démocratique qui permet vraiment de partir par le bas, par les gens, par leur vécu, par leurs problèmes, par leur expertise, par leur savoir, vraiment de reconstruire une démocratie en fait par le bas. Et puis la deuxième, c'est laisser toutes les portes d'entrée ouvertes en fait par rapport à cette problématique des TLM. On l'a vu, il y a beaucoup de municipalités qui font, y compris en France hein, d'ailleurs, pas seulement dans des exemples en dehors de nous en Europe ou dans les exemples de municipalités espagnoles, mais qui font en sorte de dire bah, la participation, c'est laisser ce maximum de portes ouvertes. C'est des réunions à horaires décalés. C'est des voies papier, des voies numériques, des voies de consultation, des assemblées locales. C'est nous, élus, aller aussi écouter ceux qui sont experts de leur situation. Charlotte Marchandise le dit récemment. Moi, je vais voir, quand je parle de situation de handicap, quand je parle de situation de femmes, quand il s'agit d'ouvrir une crèche, aller voir les principaux concernés parce qu'ils ont aussi des réponses, ils ont aussi une expertise à donner. Donc voilà, il y a aussi cette idée de laisser le plus largement possible toutes ces portes ouvertes pour qu'à un moment donné, bah oui, cette participation, elle se diversifie, elle se renouvelle, qu'elle parte de la diversité, mais qu'elle soit aussi accessible à l'université. Justement, on parlait justement de l'expertise des usagers. C'est Armel, je crois, qui en parle dans le MOOC, justement, de cette expertise d'usage qui devient de plus en plus reconnue. Enfin, j'ai peut-être envie de dire. Mais... justement, pour rebondir sur... moi, j'ai une question en fait, que je vais tout de suite te poser, Laurent. Sur, tu étais du coup bénévole, investi dans ton village et tu es passé élu. Est-ce que le regard des, justement, de tes amis ont changé depuis que tu as ce rôle-là? Certains oui. Certains oui, d'autres non. Donc, dur de généraliser. Ce qui change de manière notable, c'est que les gens, au final, ont envie d'être au courant. Donc très souvent, on t'interpelle en disant bah, « qu'est-ce qui se passe là-dessus » Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a bien souvent, à mon sens, un gros déficit d'information. Et donc, à partir du moment où tu es identifié pour ça, il y a tout un tas de questions qui t'arrivent, qui sont des questions légitimes, et effectivement, sur lesquelles il n'y a pas assez de... On revient sur l'idée de porte d'entrée, il n'y a pas assez de porte d'entrée pour accéder... diversifier pour accéder à cette information. Et donc, quand on parle de projet coopératif, on parle souvent de gare centrale. Et donc, nous, ce qu'on voit, c'est que dans les territoires, manque une gare centrale qui permet aux gens d'être au courant d'eux, de pouvoir poser des questions, interagir. Donc, du coup, quand on est élu, on se retrouve avec ces niveaux de sollicitation-là. L'autre chose, c'est, ce qui est complètement hallucinant, c'est on se retrouve sollicité sur tout et n'importe quoi. Et c'est ce qui montre, pour moi, qui montre bien que les gens ne savent pas du tout ce qu'est le registre de la compétence de l'élu. Ça peut être une question sur le débit ADSL, ça peut être une question sur les feuilles qui tombent alors que c'est une route départementale. Il y a un nombre de questions complètement hallucinantes et qui sont complètement hors du champ de la compétence de l'élu. Ou alors des fois, des gens disent « Mais qu'est-ce que vous faites pour ça ?» On a un projet, un domaine agricole qui vient d'être vendu sur le COS. Et donc, mais la mairie n'a rien fait, tout ça. Mais ça a été vendu entre un privé et un privé. Et donc, oui, la commune aurait pu présenter, mais quand on présente, il faut acheter. Et pour acheter, c'est pour avoir un projet. Et donc, on n'achète pas pour bloquer un projet. Ça, c'est simplement, dans une petite commune, c'est simplement pas possible. Et du coup, les gens t'interpellent en disant, mais qu'est-ce que vous faites comment, pourquoi vous n'avez pas réagi là-dessus? Alors que ce n'est pas du tout du domaine de la compétence de la commune. Et donc là-dessus, ce qu'on voit, c'est qu'entre l'échelle communale, l'échelle intercommunale, qui maintenant a quand même de plus en plus d'attributions, c'est quand même un gros pataquès qui est absolument inintelligible. Et donc l'élu local représente le connecteur local qui permet de poser la question. Alors des fois, du coup, tu renvoies sur le député, tu renvoies sur maintenant ça c'est la région, ça c'est le département, ça c'est l'ATC. Et sachant qu'en plus, quand tu es élu, c'est pas parce que tu es élu que tu connais tout ça. Donc en même temps, il y a avoir des fonds pour poser des questions qui sont. Toi y compris, tu sais des fois pas ce qui t'incombe, ou en tout cas par rapport à la question posée, qui a la réponse. Moi, ça m'évoque une question sur le municipalisme, parce que j'ai l'impression, mais je ne suis pas un expert du municipalisme, mais que
Une des philosophies du municipalisme, ou en tout cas de tout ce qui est ce mouvement de villes qui veulent se réapproprier les sujets, qu'il y a de plus en plus de villes qui disent, ou de petits territoires, qui disent même si ce n'est pas dans mes compétences, le réchauffement climatique, les migrations, etc., à l'échelle locale, et ça fait lien avec le thème de la soirée, à l'échelle locale, on est légitime. Pour quand même trouver des réponses et des solutions à telle ou telle problématique. Et j'ai l'impression que on est aujourd'hui dans une forme de structuration institutionnelle en France, mais même assez globalement sur la planète, où on va déléguer énormément des compétences, énormément des sujets à des échelons différents. D'une part, on l'apprend assez peu, donc une forme d'inculture politique générale sur quelles compétences, etc. Mais surtout, ça crée une culture de la délégation où finalement, moi, en tant que citoyen, je ne vais pas me sentir responsable de tel ou tel sujet, puisque de toute façon, j'ai été voté, ou même pas, mais en tout cas, il y a des élus qui sont en charge, et puis je paye des impôts pour que ça soit mis en œuvre par le service public. Et j'ai l'impression que c'est ça qu'il faut réussir à transformer, c'est ça qui est un peu en train de se transformer dans un certain nombre de territoires, c'est une forme de logique de co-responsabilité où autant le citoyen que l'élu, quel que soit son échelon, que l'agent public, que l'entreprise, que l'association se sentent co-responsables et de leur territoire et des défis, que ce soit ultra-local ou très global, auxquels ils sont confrontés. Je ne sais pas si ça correspond à une définition du municipalisme ou pas du tout. Je ne sais pas si ça correspond à une définition. Je crois qu'il n'y a pas de définition très arrêtée du municipalisme. Mais en tout cas, ça répond à un des constats des effets du municipalisme, c'est que les gens retrouvent le sens du politique. Ils retrouvent en fait l'espoir d'avoir une marge de manœuvre sur des problèmes qui peuvent les concerner de plus ou moins loin. En fait. Et c'est vrai que cette idée du local global, elle est intimement liée. C'est pour ça que le municipalisme ne veut pas dire localisme. Et quand on parlait tout à l'heure d'échelle mondiale, d'échelle locale, les deux sont vraiment imbriqués. Et c'est justement aujourd'hui de jouer de cette interdépendance-là et de ces alliances entre villes au niveau international qu'on arrivera à impacter. Parce que l'autre réalité aussi, c'est qu'on se saisit en fait dans le municipalisme de bon nombre des problématiques d'écologie urbaine, donc des questions climatiques, des questions d'alimentation, des questions sociales, des questions de remunicipalisation des services, de l'énergie, donc des communs, de l'eau, de l'électricité, de la santé, la gratuité des transports. Donc il y a vraiment cette communauté, ce commun en fait qu'on va retrouver un peu partout largement qui est ressaisi. Et ça, c'est vraiment une réalité qui est propre au municipalisme, mais qui est aussi entravée par un contexte normatif et institutionnel qui est un carcan, et ça, on doit le dire. Et ça, c'est vrai que c'est l'autre limite. Alors, il y a une part, cette limite, et ça, je crois qu'il faut vraiment insister là-dessus, parce que c'est une réalité, la complexité de l'action publique de l'extérieur, pour un citoyen, comprendre de quoi est compétente ma commune, ma région, etc., qu'est-ce que peuvent faire mes élus. Mais il y a aussi, quand on est citoyen et qu'on devient élu, et qu'on est à l'intérieur de la machine institutionnelle, ça aussi c'est une complexité et on le dit pas assez, on le prépare pas assez. Là il y a un vrai enjeu de travail sur ces côtés-là. Et ensuite sur l'aspect normatif, aujourd'hui il y a plein de façons aujourd'hui d'une inventivité qu'il faut vraiment saluer des collectivités locales, qu'elles soient municipalistes ou non stricto sensu, pour essayer de trouver des marges de manœuvre dans ce carcan institutionnel. Mais ce carcan institutionnel, il est daté et il est à refonder. Aujourd'hui, la crise qu'on vit en France, c'est une crise institutionnelle qui montre que les institutions et notre répartition territoriale et l'organisation territoriale, elle n'est plus en adéquation avec l'agilité qu'on doit désormais trouver pour donner notamment une place aux citoyens et à l'habitant. Mais là, du coup, tu es en train de me casser le thème. Du coup, c'est quoi ? Il faut réformer la Constitution, comme certains le demandent, et à ce moment-là, on pourra agir au niveau local ou quels sont les leviers aujourd'hui qu'on peut avoir ? Et je te laisse, vas-y, réagir. Moi, je veux bien réagir parce que c'est vrai que, étant nouvel élu, tu arrives à tes premières réunions de conseil municipal avec plein d'idées. Tu dis alors, on va faire passer ça, 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 on va discuter de ça, et tu te retrouves à traiter des questions d'urbanisme.
des questions d'urbanisme, des questions d'urbanisme et un peu des questions d'urbanisme. Un peu de subventions aux assos, enfin bon, mais globalement, tu t'aperçois que des espaces pour prendre le temps de discuter et tout ça, en fait, sont relativement rares. Avec une temporalité en plus de la mise en œuvre, dès que tu passes par des. Enfin, enfin, pour parler directement, dès qu'il y a un peu d'argent en jeu, ça prend tout de suite un temps qui est un temps. Complètement diesel, non, c'est pas tout à fait bien de dire ça, écolo de dire ça, mais en tout cas ça prend du temps, quoi. Et ça, c'est compliqué de dire qu'il y a une temporalité qui est pas du tout la même que quand tu montes un projet dans une assoce, par exemple. Et donc juste là-dessus, nous, ce qu'on a, enfin, les endroits à mon avis qui sont les plus pertinents, je parle juste dans ma commune, c'est au niveau de commissions extra-municipales. Donc c'est de faire un espèce d'entre-deux. Et donc, souvent, quand on veut faire bouger les institutions, nous, on parle des marges instituantes. Et donc là, le fait de travailler sur des commissions extra-municipales, donc qui restent présidées par quelqu'un de la municipalité, mais où on fait venir plein d'autres personnes sur une mission assez claire. Donc moi, c'est sur des missions de refabriquer des sentiers, réouvrir des sentiers communaux, des choses comme ça. Et là, on s'aperçoit que c'est du temps long, c'est du projet, c'est de l'action. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Par contre, si ça fonctionne, ça peut enlever un peu la peur qu'ont certains élus, les élus classiques, quand tu disais qu'il y a à réformer un peu le fonctionnement, il y a quand même une trouille des élus. Enfin, moi, j'ai vu des gens qui disaient, mais là, on parlait des jardins partagés, on ne va pas faire une réunion sur les jardins partagés parce que les gens vont nous poser des questions, on ne saura pas y répondre. Ou alors, si jamais ils ont des idées et qu'on ne répond pas, on va les frustrer et donc ce n'est pas une bonne idée. Donc, on ne fait pas de réunion. Et donc, on a la peur de ça. Et donc, je pense qu'effectivement, en théorie, on dit oui, ce mécanisme-là, il faut les changer. Mais pour les changer, on ne peut pas casser le système directement. Donc, travaillons sur des marges. Et je pense qu'il y a plein d'endroits où on peut imaginer faire des petits projets, mais qui sont des projets où on apprend au final à faire ensemble, qui petit à petit vont pouvoir reconvoquer le cœur de la machine du réacteur. Oui, là, je pense qu'on commence à justement être au cœur sur comment on réapprend à faire ensemble. Moi, c'est vrai que j'ai rencontré des maires qui disaient avoir l'impression d'être un tiroir caisse, quoi. Et face à des citoyens, peut-être avec des attentes encore, voilà, un peu désinvesties et du coup, avec des attentes extrêmement fortes. Et du coup, moi, quand je vous entends dire tout ça, je pense forcément à cette vague massive de démission, là, des maires actuellement. Dont on entend régulièrement parler, même si finalement c'est un peu un bruit de fond par rapport à d'autres actualités actuellement. Mais qu'est-ce que aujourd'hui, j'ai l'impression en tant que pour les citoyens là, parce qu'on, je pense pas qu'on va tous devenir maire demain. On n'en a pas, je prends vraiment tous l'envie, parce que j'entends que c'est quand même sacrément compliqué. Mais pour des citoyens justement, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Quelque part pour soutenir nos élus aussi, finalement. Enfin, j'ai presque envie de ça quand j'entends ce que vous dites. Non, mais il y a plein de choses à faire pour soutenir les élus, ou en tout cas pour... En fait, je pense que ce qu'il faut faire, c'est casser cette logique. Vous, les citoyens, nous, les citoyens, on a souvent un réflexe qui est de considérer que l'institution, et donc les élus qu'on associe à l'institution... Sont finalement une espèce de... On a un devoir de perfection. Et on entretient un système dans lequel les élus sont... Et l'institution est vue comme normalement infaillible. Et à l'intérieur de l'institution, c'est la même chose. Il y a ce devoir de répondre à tous les besoins, toutes les envies du territoire, des citoyens du territoire, qui est une espèce de... C'est jamais vraiment dit comme ça, mais c'est pesant. On sent que si on prend un élu qui va sur le marché serrer des mains, si on vous dit... alors je dis un élu, la plupart des élus, moi ce que j'observe en tout cas, c'est quand un citoyen vient dire « Ah ben regardez, il y a telle chose qui ne va pas », l'élu va avoir tendance à dire « Ah ben je prends en note, je vais passer au service, on va regarder et on va résoudre le problème ». Sous-entendu, en fait, on doit résoudre les problèmes parce qu'on est là pour résoudre tous les problèmes des citoyens. Et sous-entendu pour le citoyen, la mairie est là pour résoudre mes problèmes. Et les élus sont là pour résoudre mes problèmes. Alors qu'en fait, il pourrait y avoir des postures complètement différentes qui sont de dire...
il y a un problème, et voilà les solutions auxquelles j'ai pensé et que j'aimerais bien mettre en œuvre, côté citoyen. Donc, n'allez pas voir vos élus avec des doléances uniquement, vous avez le droit d'avoir des doléances, mais allez les voir aussi à chaque fois qu'il y a une doléance, avec des idées de comment est-ce que vous pourriez faire pour contribuer à la résolution de problèmes. Et à l'inverse, pour les élus, les agents dans les institutions, quand quelqu'un vient vous voir avec des doléances, ne venez pas leur répondre « on va voir et on va vous régler votre problème ». Dites plutôt, par exemple, « on va organiser ensemble une réunion ou même si c'est le moment pour le faire sur le moment T, on essaye ensemble de trouver une solution pour résoudre ce problème. L'élu a sûrement des bouts et des pistes de solutions, tout comme le citoyen a des bouts et des pistes de solutions. Et de cette manière-là, on peut déjà casser complètement une forme de culture très verticale. Et c'est des choses qui existent hein, dans certains territoires. Je ne dis pas que ça n'existe pas. J'imagine que tu pratiques ça avec la logique des communs. J'imagine que dans le municipalisme, c'est quelque chose qui est assez fort en termes de culture. Moi, je pense par exemple à Los Angeles, qui est un territoire dans lequel il y a des élus qui ont mis en place une logique de 50-50, c'est-à-dire quand des citoyens viennent avec avec une doléance ou avec une demande, la mairie répond « Ok, on peut faire des choses, on fait la moitié, vous faites la moitié ». Un exemple très concret, je ne sais plus si j'en parle dans le MOOC ou pas, mais en tout cas, il y a cette idée de dire on aimerait bien que notre rue soit plus verdie, etc. Et la mairie dit « Ok, nous, on peut fournir les pots de fleurs, les graines et la terre. Par contre, c'est vous qui plantez, qui arrosez, qui entretenez ». Et il y a un contrat qui est passé entre des citoyens et la mairie, et où la mise en œuvre n'est pas uniquement faite par des agents du service public, elle est faite aussi par les citoyens eux-mêmes en partie. Oui, donc alors pour répondre à ta question, oui, il y a une interview longue donc, de Jean-François Caron, maire de Los Angeles, dans le MOOC Démocratie, auquel vous pouvez encore vous inscrire si ce n'est pas encore fait. Vas-y, Laurent, tu voulais... Je pense que par rapport à ça... pour rebondir sur ce que disait Armel, moi, ce que je vois, c'est que globalement, les élus ont quand même la trouille de faire des réunions. Il y a vraiment... Et donc, quand on dit des méthodos pour dire aux gens « je ne sais pas, par contre, je peux animer d'une certaine manière pour qu'on coélabore des solutions », il y a vraiment plein d'élus qui sont un peu secs par rapport à ça. Donc là, dans les petits leviers, c'est peut-être de sortir des petites fiches de méthodo qu'on peut récupérer à droite à gauche, ou ils l'ont fait, c'est possible. Moi, souvent, je dis aux élus, arrêtez de faire des appels à projets, faites des appels à envie. C'est bizarre. Il y a un élu là-bas qui l'a fait, et puis il n'est pas mort, voire même, il est encore plus élu, parce que il est encore plus reconnu. C'est ce qui intéresse aussi les élus. C'est dire, voilà, moi, je ne fais pas ça que pour me faire taper sur la figure, sachant que c'est quand même la fonction... Je ne sais pas si c'est la fonction, mais c'est l'effet le plus immédiat, c'est que tu te fais quand même... moi, je suis un tout petit élu, mais le maire, son téléphone sonne en permanence et sur tout et n'importe quoi, et en général pour lui dire que ça ne va pas bien. Donc faut quand même aimer ça. Donc à un moment, lui dire, voilà, il y a des élus qui ont fait ça et c'est possible. Et puis, si tu veux, je te mets en lien avec eux. Et ça, moi, je travaille beaucoup là-dessus, à ce que les gens puissent discuter quasiment de pair à pair. Le technicien ou le directeur de service avec un directeur de service, l'élu avec un élu, sans qu'il y ait même de témoins. Comme ça, ils peuvent parler de leur doute, de leur fragilité, être vraiment sur de l'échange de pratiques. Alors que si toi, tu arrives de l'extérieur en disant « Ah, moi, j'ai vu un élu qui fait ça, vous devriez faire ça », tout de suite, tu es dans une logique quasi de reproche. Même si tu le fais délicatement, ça peut être pris comme un reproche parce que, bien souvent, encore une fois, à force de se faire taper sur la figure, dès que tu commences à leur parler, ils ont tendance à se mettre un petit peu des fois sur la défensive. Moi, je ne peux qu'abonder. Hein. Je pense qu'on est vraiment dans un... le passage aujourd'hui dans notre démocratie, c'est pas seulement la structure organisationnelle, c'est la structure mentale, c'est les imaginaires, c'est notre culture profonde démocratique. C'est-à-dire sortir de l'élu providentiel, sortir du consumérisme électoral, sortir des démarches individualistes aussi. On parlait tout à l'heure, on vous demande tout et n'importe quoi. Et en fait, ça c'est génial, parce que c'est le premier pas du dialogue qui va être instauré avec un citoyen ou avec un habitant pour passer d'un intérêt individuel à un intérêt plus collectif. Toutes les démarches qui sont mises en place, que ce soit à Saillant, à Trémargat, à Kingersheim ou à Los Angeles, etc., c'est une façon de réintroduire un dialogue, de repositionner les rôles et les perceptions des rôles de chacun, et qu'à un moment donné, dans ce dialogue commun,
on replace au cœur non pas son petit soi personnel, non pas un enjeu électoraliste en fait de pouvoir, mais vraiment un intérêt sur le territoire de construction commune. Et ça change vraiment les postures. À mon avis, c'est un travail de très long terme qui appelle à un travail plus profond qui, pour moi, prend sa source dès l'éducation, en fait, qui sont dans les postures de coopérative, d'apprendre à se tromper, d'apprendre à ne pas promettre et, les illusions pour être parfait. Non, la démocratie municipale, la démocratie locale, c'est un laboratoire. Et ça, il faut vraiment l'admettre. Avec une exigence, avec une éthique. Hein. Mais... Et pour moi, là, en plus, on a un truc génial qui arrive, c'est qu'il y a plein de gens qui sont en colère. Mmh. Et dans la colère, il y a de l'énergie. Mmh. Depuis cette colère... qu'on porte un gilet jaune ou qu'on porte pas de gilet jaune, qu'on soit en colère en l'affirmant ou qu'on soit en colère secrètement, quand il y a de la colère, quand il y a de l'indignation sur des choses, il y a de l'énergie qu'on peut exploiter, qu'on peut utiliser de manière positive, sous forme de transformation du territoire. Moi, j'invite les élus à surtout pas avoir peur des citoyens, même ceux qui sont en colère, et à venir se former avec des gens comme Laurent à ma gauche ou avec d'autres pour avoir les bons outils pour transformer ces colères. Il y a plein d'outils aussi dans le community organizing, par exemple. Le community organizing, c'est comment est-ce qu'on... On part justement des colères individuelles pour créer du groupe et créer alors soit de la contestation à un niveau plus haut, soit même du projet qui peut amener à de la transformation, et qu'il y a des outils et des méthodes super intéressants pour aller attraper l'énergie là où elle est et réussir à la combiner à d'autres énergies, d'autres citoyens, et à un moment à créer du positif avec ça. C'est d'ailleurs comme ça que Barack Obama a commencé. Exactement. Donc ça peut mener loin. Hey, tu voulais réagir dessus? Oui, je voulais réagir sur cette histoire de posture. Je pense que de passer d'une logique de consommation et de l'élu comme un guichet auprès duquel on va essayer de tirer des promesses ou de l'argent, je pense que dans ce changement de posture-là, il y a des vrais leviers assez sympathiques pour expliciter ça. Moi, je commence à travailler avec des assos du coup locales, en leur disant, bon, vous avez récupéré de l'argent de la commune et de la collectivité. Qu'est-ce que vous rendez au territoire? Donc, ayez ce souci-là. Donc, qu'est-ce que vous rendez à tout le monde? Alors, oui, mais du coup, c'est à mes adhérents que... Non, ça, c'est de l'argent qui arrive de la collectivité. Qu'est-ce que tu rends à la collectivité? Est-ce que c'est des photos? Est-ce que c'est une expo? Est-ce que c'est la création de commun, un bout d'histoire que tu as complété sur la commune, que tu vas du coup mettre en partage et qui appartient à tout le monde? Et donc je pense que là, c'est pareil, c'est un levier qui est pas très compliqué, de se poser la question, voilà, dans le projet, j'ai consommé du bien public, qu'est-ce que je ramène à la collectivité? Et on s'aperçoit que quand on prend le temps de d'explorer cette question-là, il y a plein de choses qu'on peut faire qui, du coup, vont faire qu'on va faire du lien, on va dire « Ah bah tiens, t'as déjà fait ça !» Donc c'est des occasions de dialogue, c'est des occasions de passer de petits projets individuels à petit à petit du projet collectif. Et encore une fois, soit c'est l'entrée, c'est de la colère, soit l'entrée, c'est une collection de photos, soit l'entrée, c'est là, il y a des gens qui passaient leur temps à restaurer du petit patrimoine bâti. Ah ben, il y en a un qui a fait ça, puis tout le monde. Bon, maintenant, ils font des choses ensemble. Et le fait qu'ils fassent des choses ensemble, ils font politique. Alors, ils ne sont pas encore en train de reconvoquer la démocratie, mais ça part aussi de là, Alors, moi, je dis le levier, il est là. Quand on cherche les conditions propices à ces changements de démocratie locale, c'est quand existe déjà ce terreau, ce jardin démocratique, en fait, et comment on l'alimente et comment on l'énergétise, comment on le rend vivant. Et alors ce tissu militant, ce tissu associatif, cette capacité à apprendre, à faire ensemble, à se connecter, à faire vivre un territoire par nos loisirs, par nos envies, mais c'est vraiment la première échelle, c'est le terreau fondateur de toutes ces dynamiques. Et à vous écouter, moi, donc je fais partie du mouvement Colibri, et on parle beaucoup de gouvernance partagée, de faire ensemble, mais j'ai l'impression qu'il y a dans les associations comme la nôtre, et dans pas mal d'autres associations aussi, maintenant une culture du collectif, qu'il n'y a pas forcément dans les mairies. Euh, et,
Et j'ai l'impression, peut-être, est-ce qu'il manque pas ce rôle justement d'animateur, de facilitateur, de mise en réseau? Et je ne sais pas du coup s'il existe des citoyens qui auraient envie de jouer ce rôle-là, justement, d'aller proposer, d'aller montrer ce qui se fait à côté, tout ça. Est-ce que déjà il y a des endroits où ces citoyens-là pourraient se réunir pour échanger sur les manières de faire, les manières d'agir, chacun dans sa commune, mais en même temps ensemble, en fait, pour faire réseau? Nous, c'est un peu ce qu'on essaye de faire avec Démocratie Ouverte, dans le sens où l'association ou le collectif Démocratie Ouverte sont... Alors, pas à l'échelle du village, parce qu'aujourd'hui, c'est une association où il y a beaucoup de choses qui se passent à Paris, mais aussi de plus en plus de choses qui se passent dans des territoires. Mais en tout cas, on essaye de réunir ceux qui travaillent sur l'animation, l'outillage, les méthodes, le travail sur les postures, que ce soit des élus, des citoyens, des agents, d'un maximum de personnes, pour réussir à faire une démocratie qui soit de cette manière-là beaucoup plus collective, beaucoup plus en réseau et beaucoup moins verticale et descendante. Moi, je rejoins ce que tu dis sur les associations aussi, comme les Colibris ou d'autres associations, dans lesquelles, quand on se met à pratiquer, même dans une entreprise, dans des entreprises libérées par exemple, ou dans des SCOP ou des SIC, alors pas toutes les SCOP, pas toutes les SIC, pas toutes les entreprises libérées, mais il y a de plus en plus d'endroits dans lesquels on peut faire l'expérience de ces formes-là de coopération et qui participent d'une transformation culturelle, et où ça fait tache d'huile aussi dans des mairies. Quand on prend l'exemple de Saillant qui est cité dans le MOOC, c'est avec des outils et des méthodes qui viennent de l'éducation populaire, qui viennent d'un animateur de centre social qui utilisait ça et qui se retrouve au cœur de cette élection municipale, qui petit à petit va réussir à faire pratiquer ses outils et ses méthodes sans lui-même être élu, en étant dans le Conseil des Sages à un moment, et du coup à le transférer à tout un autre groupe de personnes plus important. Nous, là, dans l'expérimentation qu'on mène avec la région Occitanie, on essaye aussi à un très haut niveau, à l'échelle de presque du directeur général des services, du directeur de cabinet, de leur faire pratiquer à eux aussi ces logiques d'intelligence collective pour voir ce que ça peut donner, ce que ça peut diffuser. On va voir si on y arrive, mais on teste. Et du coup, moi, j'ai l'impression que c'est en cours, mais en effet, il faut que toutes les assos qu'on a citées et tous les porteurs de projets qui sont dans le MOOC soient rejoints par un nombre encore plus grand de citoyens pour les aider à porter ça et à faire tâche d'huile encore plus. Je fais deux points sur cette idée d'intermédiation. Loïc Landieu le dit beaucoup, en fait, la crise de notre démocratie, elle vient d'une crise de la désintermédiation, du fait qu'on n'a plus ces relais. Pardon, je suis désolé, il n'y a plus de 4 syllabes, et du coup, si tu peux juste préciser. Je pense qu'on a besoin à un moment d'huile dans les rouages, de corps intermédiaires, on va dire, que ce soit associatif, syndicat, politique. Aujourd'hui, on est dans une crise de la représentation qui est profonde, en fait. Ces intermédiaires, on a du mal à les trouver. Ces intermédiaires, c'est aussi des sources d'inspiration, des lieux de dialogue, des lieux de réflexion, des lieux de réseau, des lieux de connexion, qui sont en réinvention aujourd'hui. Je pense que toutes nos organisations le font, chacun à leur façon, chacune à leur façon. Je veux dire, en fait, d'un point de vue municipaliste, deux choses. Une chose que tu connais déjà, qui est cette capacité à relier les expériences, à donner, à voir. C'est aussi le propos d'un futur MOOC sur le municipalisme qui va bientôt advenir, en fait, au printemps. Donc, il donnera à voir, pas ce qu'il faut faire, mais ce qui existe, et donc à inspirer. Et dans le mouvement municipaliste, il y a aussi cette capacité à s'inspirer. Et je trouve qu'elle repose sur cette capacité d'intermédiation dans le fait de dire la démocratie, ça repose sur une double tension externe et interne à l'institution. C'est de sortir de cette posture de l'élu a toujours toutes les réponses et tout à l'avance. Et c'est de se dire, en fait, finalement, le dynamisme, l'institution, c'est nous et il faut la dynamiser. Et c'est dans ce rapport entre les deux. Et donc, par exemple, dans la configuration du municipalisme espagnol, existent des plateformes citoyennes qui sont un peu cette zone intermédiaire entre les citoyens et les élus qui vont expliquer la complexité de leur tâche dans l'institution, les citoyens qui vont faire remonter leur créativité, leurs besoins, leur réseau, etc. Et c'est dans ce rouage entre les deux que s'invente une démocratie qui est un peu autre, qui est dans cette double tension.
Et ça, j'aime le rappeler parce que pour moi, elle répond à une crise qui est assez profonde et qu'on ne sait plus trop comment la reconnecter. Ici, on reconnecte politique et sociale, habitants et institutions. Moi, je veux bien réagir sur désintermédiation parce que, en fait, donc, le terme désintermédiation, je trouve intéressant dans le sens où on parle d'intermédiaire et non pas de représentant et de représentation. On parle aussi de crise de la représentation parce qu'en fait, être un représentant au sens parler à la place de citoyens qui nous ont élus, même si c'est dans une association, de membres qui nous ont élus, etc., c'est une forme d'intermédiation. On est un intermédiaire, mais en fait, il y a plein d'autres formes pour être intermédiaire. Et donc, il n'y a que la représentation au sens parler à la place d'eux. Il y a justement être un animateur, mettre de l'huile dans les rouages, faire en sorte que son territoire fonctionne et mettre les gens en réseau, les outiller, les mettre en capacité d'agir et de répondre par eux-mêmes aux problèmes ou au territoire, ou même, sans parler de problèmes, mettre des moyens en face des envies de transformation de territoire. C'est selon moi un des rôles que peuvent jouer les élus, que peuvent jouer aussi des associations, que peuvent jouer les centres sociaux, que peuvent jouer tout un tas d'acteurs, qui est un rôle d'intermédiaire, parce qu'en fait on joue un rôle d'intermédiaire entre plusieurs types de citoyens, entre plusieurs types d'acteurs, et qui a une manière d'être en intermédiation, d'être un intermédiaire complètement différent d'être que celle qu'on a l'habitude d'avoir et qu'on a un peu dans notre culture, qui serait celle de représentants qui, une fois qu'ils ont été élus, vont s'occuper de ces choses-là à notre place. Et là, c'est une autre manière d'être des intermédiaires qui est beaucoup plus puissante, beaucoup plus intéressante. Tu veux dire ou... Non. Ok. Pour plus tard alors. là justement, ça me permet de... dans la question de Michel qui dit justement, lui, il constate que les démarches participatives sont les plus souvent descendantes. Donc voilà, même quand ils essayent de s'ouvrir, finalement ça reste... Voilà. Et voilà, comment on pourrait changer de posture, être dans le faire avec, le donner à voir et être en attention à ce que font les gens. Donc il dit par exemple qu'il y a des milliers d'initiatives, 450 jardins partagés en Bretagne, voilà, qui réunit plus de 10 000 personnes. Et comment on pourrait aller vers une démarche contributive plutôt que participative? Bonjour Michel. Ça sent le Michel brillant. C'est ça, oui. Du coup, voilà, donc clin d'œil, je pense qu'il a la réponse à la question qu'il pose. Donc je vous encourage à lire très fortement plusieurs textes qu'a écrit Michel. Donc Michel Briand, c'est un élu hyperactif, enfin c'est un ancien élu maintenant, ancien élu hyperactif de Brest Métropole, et qui a beaucoup travaillé sur justement le glissement de la démocratie participative à la gouvernance contributive. Et donc je ne vais pas détailler ça tout de suite, mais vous cherchez Michel Briand, il y a un téléphone Briand, et gouvernance contributive, et vous allez voir deux textes très 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 jolis écrits qui permettent du coup de voir qu'effectivement il y a un glissement entre passer une logique d'intention à une logique d'attention. Et c'est notamment Michel qui, sur son territoire, au lieu de lancer des appels à projets, a lancé des appels à envie. Quand les structures des associations ont répondu sur les appels à envie, les a rassemblés dans une même salle en disant « puisque vous avez des envies similaires, commencez par dialoguer entre vous ». Je ne sais plus si c'était jusque-là, mais il y avait l'idée de plus les personnes travaillaient entre elles, plus il y avait même des incitations à, alors je ne sais pas si c'était des incitations financières, mais incitations à la mise en lien. Et une incitation à la documentation. Dire, voilà, il faut dès que vous faites quelque chose, que ça ait réussi ou échoué, il faut absolument que vous documentiez. Si vous ne documentez pas l'année suivante, vous n'aurez pas d'argent. Même si c'est un échec. Documentez votre échec, dans ce cas-là, on continuera à vous aider. Donc la réponse est dans la question de Michel. Lisez cet article sur la gouvernance contributive. C'est effectivement un superbe glissement dans les formes de démocratie. Pour l'instant, pas de questions supplémentaires. Toi, tu voulais réagir sur un tout sujet. Oui, complètement. Je suis peut-être complètement à côté de la plaque. Mais c'est du coup l'expérience de pompier dont j'aimerais parler un tout petit peu. C'était par rapport à l'idée de gouvernance de gouvernance partagée. Voilà, tous les termes où on est vraiment tous ensemble, je suis horizontal. Hein. Chez les pompiers, pas trop. Voilà. Par contre, relativement efficace. Et du coup, moi, ça m'intéressait beaucoup de regarder comment ça fonctionnait et comment, à un moment, on pouvait être dans de la subordination acceptée. Quelles étaient les conditions qui faisaient qu'on était dans une subordination acceptée? Parce qu'à un moment, on est dans l'urgence, il faut absolument faire ceci et il y a quelqu'un qui va dire on fait comme ça. Et ce dont je me suis aperçu, c'est qu'il y a certaines personnes pour qui ça passe et des personnes pour qui ça passe pas. Quand ils donnent leur ordre, ça passe et d'autres pour qui ça passe pas du tout. Voire même, si jamais ils te donnent un ordre qui est mauvais et que tu vois que ça va dans la mauvaise direction, tu vas pas les aider et tu vas même te débrouiller pour que ça aille, que ça, la situation se foie. Bon, vous inquiétez pas, messieurs, dames, on va vous ranimer quand même. Ce qui me semble avoir observé, c'est que plus on a, suite à ces interventions, des débriefings qui permettent de reconvoquer la manière dont l'ordre a été donné. C'est-à-dire que si jamais on fait des rapports, on appelle ça en animation des scans rétrospectifs. On scanne la situation et on dit voilà, si c'était à refaire, est-ce qu'on la referait différemment? Quand tu m'as parlé comme ça, la prochaine fois que tu me parles comme ça, je te fous sur la figure. Enfin, on se parle direct, hein. Mais du coup, on analyse la manière dont s'est passé les choses. Et là, quand on analyse ça, on est vraiment, à mon avis, très, très fort dans l'analyse de comment j'ai accepté la délégation de pouvoir. Et ça permet à la personne qui t'a à un moment donné un ordre, qui t'a commandé, d'entendre ça.
Et si la personne intègre ça, ben, tu vas t'apercevoir qu'on est dans une espèce de boucle d'interaction-rétroaction qui fait que ben, plus je vais loin dans le fait de dire à la personne que ben, là, j'ai pas aimé la manière dont on fait une micro-société, parce que quand on fait une attention, nous sommes une micro-société, plus il va accepter que je le remette en cause et plus il va m'écouter, plus j'accepterai ensuite qu'il y a envie de prendre une décision sans, entre guillemets, en parler. Et je pense que là, il y a vraiment aussi un travail dans nos démocraties d'espace où on peut dire, parce que discuter en permanence de toi et tout le monde, c'est compliqué, ça prend du temps. Il y a des fois, il faut avancer. Et des fois, il faut avancer. Des fois, en tant qu'élu, on a des décisions à prendre vite et on doit les prendre vite parce qu'on n'est pas hors du monde. Et donc, à un moment, c'est comment on a aussi des espaces où, et il ne faut pas que cet espace soit uniquement le bureau de vote. Il faut que ces espaces-là soient des endroits, des vrais espaces de dialogue où je peux dire, cache à la personne, ben là, quand tu as fait ça, ben, le refais pas parce que ça ne va pas se passer. Et souvent, ces retours-là, on les a pas. C'est pas ça. Voilà, c'est juste l'expérience pompier qui montrait. Enfin, moi, ce que je vois, c'est que plus je peux aller loin, j'ai des espaces pour aller loin dans la critique de ce qui s'est passé, plus j'accepte qu'après de déléguer mon pouvoir. Et j'imagine en même temps que pour un élu, ça peut être facile de se poser et de dire, ben, en gros, évaluer ce que j'ai fait sur les 6 mois, sur la dernière année, et j'écoute tout ce que vous avez à dire. Quoi. Vas-y, Elisabeth. Du coup, alors, ce que tu viens de dire m'interpelle sur plusieurs points. La première, pour dire qu'il y a beaucoup de municipalités qui, là aussi, essaient d'entreprendre beaucoup avec les habitants et qui ont un besoin et un manque d'espace de réflexivité avec les habitants sur la façon dont ça se fait. C'est vraiment un besoin, c'est vraiment des choses à inventer, donc il y a vraiment à creuser. Pour dire que l'évaluation aujourd'hui, elle peut être pensée différemment. Il y a des méthodes d'évaluation orientées changement qui permettent de décider ensemble, collectivement, avec les habitants, des cadres qu'on se donne ensemble. Qu'est-ce qu'on veut comme changement pour notre municipalité, comment on veut se donner les moyens, quels critères on fixe ensemble, et que l'évaluation n'est pas froidement une sentence qui tombe derrière, mais un effort collectif de dire quel chemin on a parcouru par rapport à un cap et des critères qu'on avait définis ensemble. Ça aussi, c'est des outils qui peuvent être mis en place à l'échelle des municipalités qui sont à regarder. Et où est-ce qu'on peut trouver ces outils, sur le net ou dans un livre? Il y a l'expérimentation du prisme, en fait, et de l'évaluation orientée changement qui peut être une documentation à ce niveau-là. Et une autre chose, parce qu'on a parlé beaucoup de, et je pense qu'il y a vraiment un gros travail à faire dans cette évolution-là de changement de représentation et de culture démocratique par rapport à la question du leadership, par rapport à la question de la décision. On reste en démocratie représentative. Avant, cette considération porte la qualité démocratique, elle repose sur la confiance. En fait, il n'y a aucune expérience de démocratie locale qui fonctionne bien sans la confiance. Si la confiance, on la donne aux habitants, les habitants, ils la donnent aussi quelque part à l'élu. Et ils ont mandaté aussi un élu, au bout d'un moment, pour prendre des décisions et les prendre vite. Et je trouve que ce qui est très intéressant dans l'expérience notamment de Saillant, c'était leur première conclusion. La vie municipale, avec l'ambition de cette collégialité, de cette démocratie participative qui était la leur au début, elle est friande, elle est boulimique, elle a envie de faire plein de choses avec les habitants. Mais elle est énergivore, elle est consommatrice d'énergie, elle est consommatrice de temps, et elle peut démobiliser. Et je trouve que c'est aussi intéressant, c'est la même considération que je voulais passer aussi sur le tout horizontal. Tout faire avec les habitants, tout décider ensemble, faire tout dans l'horizontal, sur tous les sujets, c'est à l'heure. La capacité aujourd'hui à arbitrer, à décider, à gérer une municipalité, bon, dans une configuration qui est pour l'instant celle de la démocratie représentative, qui a aussi ses avantages, c'est au bout d'un moment de faire confiance, en étant certainement des garde-fous, voilà, de se dire il y a des sujets prioritaires sur lesquels on peut travailler, qui sont partie des enjeux forts de notre territoire, sur lesquels on va s'impliquer en collégialité, avec les habitants, etc. Mais il y a aussi une agilité de l'administration municipale nécessaire et une confiance nécessaire en nos élus. Enfin, au niveau municipaliste, on parle beaucoup de leaders. C'est pour dire que le leadership, il n'est pas négatif. Il est une énergie qui est positive et qu'il ne faut pas refouler, en fait. Les leaders ne sont pas forcément à mettre de côté, mais ils peuvent être des leaders au service d'eux. Voilà. Le leader obéissant, le leader coopératif, il a aussi un aspect positif. Ça m'évoque le point que j'ai fait tout à l'heure sur la colère. Il y a de l'énergie dans la colère et aussi de l'énergie dans l'envie. Et partir des envies, faire des appels à envie, permettre aux envies de se transformer en projet, en action, de se compléter, de se coordonner. Pour moi, c'est aussi super important. Même si demain, on a des élus qui jouent ce rôle d'être des animateurs du territoire, qui sont en capacité d'aller repérer là où il y a des colères à transformer en énergie positive, là où il y a des envies de transformation. Si ces élus-là, ou d'ailleurs d'autres acteurs à côté des élus, sont en capacité de faire ça demain, je pense qu'il y a un vrai relevier de transformation profonde. Et sur la question de la décision, ça me fait penser, alors je serais curieux de voir des collectivités qui fonctionnent comme ça, je ne sais pas comment ça pourrait fonctionner, mais à quelque chose qu'on pourrait appeler la duocratie ou la démocratie du faire, ou la légitimité FIRE, où la légitimité serait à ceux qui sont dans l'action, à ceux qui sont en train de bouger et en train de faire les choses, et pas forcément à des gens qu'on aurait désignés pour être les décideurs et qui disent ensuite à ceux qui vont mettre en œuvre comment faire. Parce que c'est ce qui se passe dans des petites entreprises, dans des startups, c'est ce qui se passe dans des petites associations. On essaye de fonctionner en partie comme ça au sein de démocratie ouverte, en disant, ben, a priori, si on crée les conditions de la confiance, moi j'ai plutôt confiance dans la personne qui a envie de faire,
qui met de l'énergie autour de son envie, qui met en œuvre des moyens, qui passe du temps. Enfin, il y a peu de raisons que cette personne-là veuille faire quelque chose et qui est en voulant se planter, quoi, ou en voulant mal faire. Elle va faire, a priori, tout pour réussir son objet, son projet. Donc, je pense qu'il y a un vrai travail à faire autour de cette question-là de laisser de la place, de permettre aux envies de s'épanouir et du coup aux gens qui ont envie de faire, de leur permettre de faire sur leur territoire. Alors oui, il faut des garde-fous, oui, il faut veiller à ce qui est fait dans le sens d'une bonne gestion des biens communs, de l'intérêt général, je ne sais pas comment on appelle ça, mais pour moi, il y a un gros nœud qui s'en va. Tu parlais justement des conditions de la confiance qui doivent d'abord être réunies pour pouvoir avancer. Justement, est-ce que tu pourrais un peu citer justement ces conditions de la confiance et comment on pourrait contribuer tous, en tout cas ceux qui sont avec nous là ce soir, à amener un peu plus de cette confiance dans notre société, à notre échelle? Moi, dans les quelques conditions de la confiance que je vois, c'est la transparence. Si quelqu'un me dit son objectif, me dit comment il pense faire, m'explique. Et donc transparence et pédagogie, même si le terme pédagogie est souvent utilisé de manière un peu, faut s'en méfier, mais en tout cas que moi je puisse comprendre ce que l'autre ou ce que le groupe souhaite faire, et c'est une bonne manière de m'associer à la chose. Donc cette notion de transparence, elle est assez importante. Il y a la notion de cadre de sécurité aussi, c'est-à-dire de fixer une limite. C'est très fort dans les groupes qu'on peut animer, que ce soit un petit groupe de personnes ou un plus gros groupe. Poser le cadre en disant, par exemple, on va refuser si quelqu'un commence à utiliser la violence physique. Là, c'est dans le cadre et ça arrête le processus. Si quelqu'un commence à utiliser aussi la violence verbale, il faut poser le cadre en fonction du contexte, etc. Mais du coup, poser un cadre de sécurité, c'est une manière de mettre de la confiance. Donner aussi et les objectifs et être produit ou donné ou les engagements qui sont pris dans une démarche de démocratie, de participation, dans du collaboratif. Si on dit à la fin, les engagements qu'on prend, je prends un exemple, le grand débat national qu'a annoncé par Emmanuel Macron, on ne sait pas ce que ça va donner. Et du coup, la confiance n'est pas là, je pense, en partie parce qu'on ne sait pas sur quoi ça va aboutir. C'est des choses qui vont arriver sur le bureau d'un président de la République, d'un ministre, d'un premier ministre, qui en fera ce qu'il en voudra, et moi, ça ne me donne pas confiance. Par contre, si à la fin, on me dit à quoi ça va aboutir, typiquement, ce processus aboutira à un référendum sur la question de la manière dont notre société est organisée, sur la question de la Constitution. Je sais à quoi ça va aboutir. Demain, si Emmanuel Macron annonce ça, je suis sûr qu'il y a énormément de gilets jaunes, d'associations, de structures qui vont avoir confiance, puisqu'on sait à quoi ça va aboutir. Ils vont rentrer dans le processus alors qu'aujourd'hui, elles n'acceptent pas, parce qu'il y a un risque d'enfumage. Juste sur les conditions de la confiance, je pense aussi que le résultat importe, mais pour moi, le premier résultat, c'est avoir tenu les engagements, les critères, les règles qu'on s'est fixées, les règles du jeu. Je pense que dans toutes les municipalités qu'on a visitées en France, toutes celles qui ont obtenu un résultat peut-être décevant par rapport à la promesse initiale, mais qui a pu être justifiée et qui a été respectueux des règles qui avaient été fixées avec les habitants dès le départ, toutes les décisions, même contraires ou même surprenantes aussi, peut-être, ou peu attendues par ce qui avait été engagé au début, finalement sont très bien acceptées, mais pourvu qu'on était transparent, effectivement, qu'il y ait une éthique et un respect des règles du jeu, que les gens aient pu trouver leur place aussi. Et puis je dirais, c'est aussi beaucoup le principe du municipalisme, c'est la garantie de la diversité. Ça rejoint ta problématique aussi, ce que tu évoquais, des TLM. Hein, c'est comment on ouvre tous les horizons de l'univers, comment on sort de nos zones de confort, tu l'as dit toi aussi, Laurent. Voilà. Par rapport à ces conditions-là, on n'a pas beaucoup de relations, en fait, de relations entre soit des Emmanuel Macron et des gilets jaunes, soit l'élu et des personnes qui sollicitent. Moi, j'aurais tendance à poser deux petites règles qui peuvent être simples. C'est du partage sincère, écoute apprenante. Partage sincère, c'est-à-dire que en tant qu'élu, je partage sincèrement le projet. Et je le partage à tel point que je suis prêt à ce qu'il soit modifié, je suis prêt à ce que vous puissiez vraiment interagir dessus. Si je ne suis pas prêt à ça, ça veut dire qu'il n'y a pas d'espace qui va être créé pour qu'il y ait un espace de nous qui puisse s'élaborer. Et l'écoute apprenante, c'est clairement, après que ce soit la partie, j'écoute et je suis prêt à transformer par ce que tu as raconté. Moi, je n'arrête pas de voir des situations, notamment avec des élus qui ont des petits problèmes d'indemnité, qui ne sont pas dans l'attention, qui sont tellement dans l'intention qu'ils écoutent, mais ils ne sont pas du tout transformés par ce que va dire la salle. Et donc, du coup, les gens ont l'impression d'avoir été entendus, ont l'impression qu'il y a eu cet espace qui a été ouvert. Et puis, le fait de voir qu'il n'y a pas de transformation, eh bien, là, je suis complètement repart, mais avec quasiment un certain présent. Et ça, c'est quand je parle d'écoute, ça peut être aussi côté citoyen. C'est clairement, quand je vais discuter avec lui, qui va dire que tu me poses ça, comme, mais moi, vu mon contexte, du coup, c'est pas assez évident. Peut-être que si on faisait comme si ça serait amené plutôt à cet acte, la personne, non, je reste en position, il n'y a pas de mouvement positif, il n'y a pas de cet espace d'entre deux qui peut faire couler. Et ça peut pas faire, et qui, à mon avis, du coup, peut pas faire démocratie. Donc pour moi, c'est cette cycle-là la très féconde. Et justement, cet espace de rencontre finalement de personnes ou plusieurs personnes, on l'a déjà cité plusieurs fois, est-ce qu'il peut être numérique à l'échelle d'une commune? Est-ce que vous avez des exemples comme ça où justement ça, on passe par le numérique? Et est-ce que ça pourrait pas permettre justement d'inviter plus de personnes juste à cette transparence, à ce cadre de sécurité, à ces échanges et à ces rencontres? Alors, juste sur le numérique, c'est
qu'un outil parmi d'autres. Que tout passe par le numérique, je pense que c'est complètement illusoire et c'est pas du tout une bonne idée. Par contre, qu'il y ait aussi du numérique, ça me paraît assez fondamental. Et ça, nous, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que le numérique est pertinent uniquement quand on est sur des logiques de grand nombre de personnes, ou quand on est sur des logiques de distance qui sont entre un bout de la région Occitanie et l'autre, la distance est colossale. Et donc là, le numérique est pertinent. Mais par contre, le numérique ne va être pertinent que quand il est en support ou en outil au service d'un processus qui a été travaillé. Et trop souvent, on va mettre en place des plateformes dites collaboratives, dites ceci, dites cela, alors qu'on n'a pas travaillé des changements de posture au niveau des directeurs, au niveau de l'écoute, au niveau de la modestie. Et si on n'a pas travaillé là-dessus, on peut faire les plus belles plateformes numériques. On a l'impression que c'est du verdissement, quoi. Enfin, c'est pas du verdissement, c'est du numérique. Je sais pas comment on dit. C'est voilà. Des machines. Voilà, c'est ça. En plus, derrière le numérique, il faut voir ce qu'on met aussi. C'est-à-dire que entre ce qui se passe sur Facebook, sur des commentaires les uns après les autres, ou sur des commentaires qui vont être sous un article de presse, ou sur un Framapad, ou sur un outil de la Civic Tech qui va être conçu pour un outil spécifique, on a des usages aussi potentiellement extrêmement différents. Et du coup, c'est le terme numérique en lui-même recouvre une telle diversité que voilà, il faut aussi faire attention. Après, pour répondre à la question, oui, évidemment, le numérique peut apporter beaucoup de solutions tant qu'elles sont complétées avec d'autres. Tu disais en introduction que je suis designer de formation et je garde cette casquette de designer où je suis persuadé qu'il faut designer au sens concevoir des dispositifs, des solutions qui viennent à un moment chercher des outils d'animation d'une réunion avec des méthodes d'intelligence collective en physique, à un autre moment du numérique pour raconter ce qui s'est passé à cet endroit-là, et puis pour pouvoir le commenter, et puis revenir physiquement d'une autre manière, et puis avoir de la formation pour avoir la bonne posture. Et une fois qu'on conçoit, qu'on design une stratégie comme ça de transformation, là on peut avoir des résultats très très puissants. Je ne peux qu'approuver cet usage du numérique qui est complémentaire à un sens, à une vision et à une orientation, qui a aussi un outil, qui est un outil de aujourd'hui qui est riche, hein, de participation, mais aussi de compréhension et de lisibilité de l'action publique dont on a dit qu'elle était très complexe. On a par exemple la mairie de Torrelodones en Espagne qui a fait en sorte que la dépense de son budget municipal soit visualisée sur le site internet avec une représentation des gros blocs budgétaires pour que les habitants sachent vraiment où l'argent va, dans quelle proportion, etc. Ce qui donne à voir la connotation et l'orientation d'une politique municipale. On parlait de confiance aussi. La confiance, c'est les engagements et les réalisations qu'on prend, et ces politiques publiques qui changent concrètement la vie des gens, ces budgets qui sont dépensés, qui sont rares aujourd'hui, hein, qui sont douloureux, j'allais dire, à quoi ils sont affectés, à quoi ils servent. Et c'est vrai que les outils numériques permettent aussi cette mise en visibilité de ces efforts, de ces concrétisations. Et sur le numérique, deux petites choses. La première chose, c'est que, quand Armel parlait de design, dans l'idéal, c'est quand ces outils sont co-designés avec les usagers, que là, on a vraiment des outils au service du territoire. Le pire du pire, c'est quand c'est le service com qui, du coup, va faire un cahier des charges, va ensuite sous-traiter ça à des vendeurs de soupe numérique qui, vous allez voir, il y a marqué collaboratif sur la boîte, on va mettre ça sur le territoire, ça va être le grand miracle. Et là, il y a des centaines de boules qui passent dans de l'enfumage en profondeur. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de dire que ces outils-là, oui, ça peut être des outils absolument fabuleux, des outils pour décider, des outils pour voter. Je pense qu'il y a un point de vigilance extrême à ce que ces outils, on puisse accéder au code source. Alors c'est peut-être un petit peu parallèle par rapport au sujet de ce soir, mais c'est se débrouiller pour que le code source de ces logiciels soit accessible. Il est une ineptie que des outils pour voter, des outils pour décider et des codes propriétaires. Parce que la manière dont ça va se... Parce qu'au bout d'un moment, l'outil va aider à faire un certain nombre de traitements. Il est hyper important que le citoyen puisse avoir accès à comment ça fonctionne par derrière. Et donc c'est un petit clin d'œil adressé au Colibri en toute singularité. J'avais pas du tout compris. Alors justement, mais pour te dire que tous nos MOOC maintenant sont désormais accessibles, toutes les vidéos des MOOC sont désormais accessibles sur Peertube. Félicitations. Voilà, on progresse, tu vois, on met du temps. L'homme était du câble, le colibri aussi. Voilà. Voilà. Bon, il nous reste encore un gros quart d'heure pour dans notre webinaire. Je voulais juste rajouter un petit truc sur le numérique, parce que je suis pas complètement d'accord avec ce que tu dis sur la partie « le numérique n'est qu'un outil ». Je pense que le numérique, oui, il y a cette logique d'outil, mais pour moi, il y a aussi une culture associée au numérique qui transforme de manière assez profonde l'humanité, ou en tout cas les sociétés qui sont tombées dans qui aujourd'hui sont dans un usage assez fort du numérique, et pour le pire et pour le meilleur. C'est-à-dire que si je parle du meilleur, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui sont habitués à être des contributeurs, à contribuer sur les réseaux sociaux. Alors ça peut être des contributions qui paraissent complètement anodines, parce qu'en effet, poster des photos de soi sur Instagram, etc., ça peut paraître complètement anodin. Ça n'empêche que on est habitué à produire une partie de nos propres médias, de raconter une partie de notre vie, et donc à contribuer. Et je pense que ça explique en partie l'insatisfaction dans laquelle de plus en plus de gens sont, parce qu'on est de plus en plus dans notre vie habitué à être des contributeurs, sauf que quand on prend nos institutions aujourd'hui, le seul moment de contribution, c'est mettre un bulletin dans une urne une fois tous les 5 ans. Et donc, le numérique, au-delà de la partie outil, elle est aussi vecteur d'une transformation culturelle profonde,
Après, il y a aussi la transformation culturelle, pour le pire, pour des aspects négatifs. Quand on regarde ce qui se passe sur les logiques de fake news, de ne plus avoir confiance dans aucun média et de faire plus confiance à une vidéo qui a été partagée par un ami alors qu'elle peut être complètement folle et pas par des médias qui ont recoupé leurs sources, etc. etc. et donc de perdre une forme de degré de valeur entre des acteurs, etc. Il y a aussi ça qui est inclus dans le numérique. Et voilà, donc c'était pour appuyer sur le fait qu'au-delà de l'outil, le numérique, il transforme beaucoup plus largement toute la société. Et ben, je suis complètement d'accord, et pour en rajouter une couche, ce dont on aperçoit actuellement, c'est que avec les outils qui maintenant sont globalement accessibles, je peux aussi faire sans. C'est-à-dire que si jamais, au bout d'un moment, je ne suis plus satisfait par, Yann, on vous appelle là-bas, si jamais je ne suis plus satisfait par la carte qui m'est fournie par l'IGN, si jamais je ne suis plus satisfait par l'encyclopédie de la Rousse, je peux fabriquer tout seul dans ma cave et mettre ça en réseau, des alternatives qui sont maintenant défaites. Et donc ça, pour l'instant, on a des exemples d'actions qui sont plutôt dans le culturel, dans des maths, etc. Il y a des gens qui commencent à proposer l'écriture de loi, de la réécriture de loi. Et mais ça, même déjà dans le politique, dans ce sens-là, déjà dans le politique, si je ne suis pas satisfait en termes de service public, de ce que va produire le service public sur les questions environnementales, je peux devenir colibri et faire moi-même une partie de ce qui, historiquement, aurait pu être fait par du service public. Et alors Colibri ou d'autres, j'ai de plus en plus de moyens aussi pour m'organiser avec les autres, pour répondre à des défis moi, qui me semblent importants et qui en fait ne sont pas adressés par la puissance publique, alors que c'est des choses qui concernent la planète, l'avenir de l'humanité, ou qui concernent mon territoire de manière très locale. Et on a de plus en plus de pouvoir d'agir potentiel. Ça reste un potentiel, c'est-à-dire qu'il y a encore toute la transformation de ce potentiel en réalité d'un pouvoir d'agir très partagé et très profond. Mais oui, le numérique, il apporte ça aussi. Alors je sais pas encore ce qui se passe, il y a peut-être un souci technique, non? Ah, mais ça continue d'enregistrer? Ok, voilà, ben, si tu peux redémarrer après sur Facebook, réessaye. On a une question du coup de Benoît qui verra peut-être juste le replay. Mais bonsoir Benoît. Nous essayons de monter un collectif de citoyens pour œuvrer dans le sens du bien commun et dans l'intérêt général, un peu comme est en train de le faire la ville de Montpellier avec le mouvement Nous Sommes. Nous pensons créer une liste de propositions que nous demanderions à chacune des listes d'évaluer. Les listes pourraient ou pas s'engager proposition par proposition. Et nous ne pensons pas constituer une énième liste. Nous voyons plus comme un contre-pouvoir, un lobby citoyen qui pourrait jouer sur tous les tableaux. Cette alternative paraît plus puissante que la constitution à la énième liste, qui a de fortes chances d'échouer, surtout dans notre région de droite. Connaissez-vous des villes ayant choisi cette voie? Et pensez-vous que ce soit trop utopiste? Est-ce qu'une fois élus, les engagements écolos ne risquent pas de voler en éclats? Qu'en pensez-vous? Et ce sera notre dernière question, justement, la conclusion. Moi, je veux bien donner un mot là-dessus pour reprendre en fait cette idée à laquelle je tiens beaucoup, en fait, que la démocratie, c'est pas seulement gagner une institution, c'est la vivacité et la qualité de ce jardin démocratique. Et je pense que soumettre des propositions, être force de contre-pouvoir ou de proposition, être poil à gratter au niveau local, réaliser que finalement, c'est pas forcément en constituant une énième proposition politique qu'on va être le plus fort, mais justement en dynamisant un peu le débat, en essayant d'obtenir un peu des élus, un échange, un premier contact, qui sait ce qui va devenir par la suite, en constituant une assemblée locale, une assemblée citoyenne, c'est déjà un acte fort en fait, et c'est vraiment pour moi déjà une fin en soi et un succès. Et alors juste pour dire, est-ce que c'est une initiative isolée? Non, ce n'est pas une initiative isolée, et j'encourage cette personne à se rapprocher donc du mouvement de la belle démocratie, qui est aujourd'hui un mouvement en fait qui fédère ses énergies, qui dans les perspectives notamment des élections de 2020, et là pour voir comment se dynamisent localement des citoyens à travers des simples assemblées locales ou parfois des listes participatives aux élections. Donc ces deux cas existent, et aujourd'hui en France, il y a bien des groupements locaux qui sont en train de s'organiser dans les deux cas. Pour compléter, notamment sur la belle démocratie, on va trouver un peu, alors non pas le standard, mais l'idéal de ce que pourraient être des listes, et puis ensuite une gestion municipale ultra participative, hautement démocratique. Et donc il y a plein de choses à aller puiser dedans pour constituer cette liste de choses à respecter, à faire signer par vos différents candidats lors des prochaines élections municipales. Vous pouvez aussi aller voir la charte Anticor, qui sur les questions de corruption, l'ONG Anticor avait proposé ça aussi lors des dernières municipales. Je ne sais pas si ce sera le cas sur les prochaines, mais en tout cas, la charte existe toujours à proposer, à signer aussi aux différents candidats, parce qu'en effet, la période de campagne, elle est propice aussi à ce que, au-delà des engagements, même les pratiques participatives, les pratiques du collaboratif peuvent commencer dès ce moment-là. Et puis, on a des élus ou des futurs élus qui sont très à l'écoute, qui mettent beaucoup d'énergie parce qu'ils ont envie de se faire élire et parce qu'ils ont potentiellement un projet à défendre. Et donc, c'est des bons moments, ces campagnes, pour que se discute la politique. Et donc, oui, allez-y à fond, ça peut être des manières très efficaces.
Tout comme il peut être efficace aussi de soit constituer, soit de rejoindre des listes. Alors là, je vais faire de la pub pour quelques membres de Démocratie Ouverte, mais il y en a un qui s'appelle Tous Élus. Je crois que pareil, dans le MOOC, on en parle en partie. Mais l'objectif de Tous Élus, c'est de permettre aux jeunes, notamment, c'est presque une logique de formation où on vient apprendre comment on peut, donc avec des logiques de vidéo, apprendre en ligne et puis après physiquement, comment est-ce qu'on peut être efficace, soit en rejoignant une liste, soit en créant une. Donc Tous Élus. Et puis de Démocratie Ouverte, avec la Belle Démocratie, avec d'autres mouvements municipalistes, on est en train de réfléchir aussi pour les prochaines municipales, à mettre en place un kit qu'on met à disposition gratuitement de toutes les porteurs de listes citoyennes qui voudraient faire de leur campagne de manière ultra participative, avec ces logiques d'intelligence collective, avec tout ce dont on vient de parler et qu'on a pu évoquer dans ce webinaire. Donc ça, c'est pas encore disponible, mais probablement bientôt sur le site de Démocratie Ouverte et des partenaires qu'on a évoqués. Et puis Tous Élus, vous pouvez déjà aller les voir maintenant. Ce que j'ai envie de dire, c'est soyez dans le partage sincère d'idées et débrouillez-vous pour qu'elles soient reprises. Je pense que ça là-dessus a fond les ballons. Mais ne soyez pas dupes et soyez clair dans le contrat aussi que vous passez avec eux pour dire, nous, on aimerait bien voir si vous avez écouté et si du coup, vous êtes dans l'écoute apprenante, si vous les avez appris de nous. Donc, voilà les indicateurs qu'on vous propose de repérer chez vous, dans vos processus, qui sont des indicateurs sur lesquels on viendra vous re-questionner et pourquoi pas prendre rendez-vous avec eux dans l'hypothèse qu'ils soient élus dans un mois, un an, en disant, tiens, on aimerait bien reprendre rendez-vous et vous re-questionner pour du coup voir si effectivement ces idées-là ont avancé et on sera soit caisse de résonance du fait que vous ayez vraiment transformé votre action par nos idées, soit on sera caisse de résonance du fait que vous avez utilisé ça uniquement pour nous entuber profond, pour qu'on se fasse avoir et que du coup on n'ait plus envie de voter la fois prochaine. Mais quand même, soyez aussi, parce que tu disais tout à l'heure, mais ne prenez pas la liste si vous constituez une liste de choses à respecter, comme quelque chose de complètement rigide. C'est-à-dire que, le partage sincère, une fois qu'on lâche, enfin, qu'on est en dialogue, et qu'en face, on a l'impression d'avoir des gens de bonne foi, et que c'est des gens de bonne foi qui nous disent « Ouais, on voulait faire ça, puis on n'a pas réussi complètement pour telle et telle raison », on le voit une fois qu'on est de l'autre côté de la barrière, des choses qui peuvent paraître évidentes d'un côté sont en fait pas si évidentes que ça. Et donc, n'hésitez pas à sauter le pas. J'adore, moi, une des parties de la démocratie grecque telle qu'elle fonctionnait, il y a plein de choses qui n'allaient pas, il n'y avait pas de femmes, d'esclaves qui étaient citoyens, il y avait plein de problèmes, et il y avait des choses très intéressantes, et notamment le fait de tirer au sort des citoyens qui passaient par des fonctions de prise de décision ou de partage, enfin, ou de pratique de pouvoir, participer à la formation, à l'éducation, à la citoyenneté de ces citoyens. Et une fois qu'on a été dans la situation de devoir co-construire, prendre des décisions, porter des projets, on relativise pas mal les choses et on comprend aussi que c'est pas si simple. Et j'aimerais juste, dans cette idée de toujours mettre en réseau avec les dynamiques qui existent déjà ou qui sont déjà en train de s'enclencher, rappeler aussi qu'il y a une initiative sur table et publiquement dans très peu de temps avec le pacte du collectif pour la transition citoyenne, qui est donc un collectif avec de nombreuses organisations, dont les Colibris Alternativa et beaucoup d'organisations très fortement ancrées déjà dans les territoires en France, qui va justement proposer une série de mesures qui seront à disposition de groupes locaux citoyens qui voudront s'en servir comme base de dialogue et d'engagement avec les futurs élus locaux pour les élections municipales à venir. Et je pense que ça peut constituer un corpus, donc justement, de propositions et de mesures qui peuvent résonner avec la réalité, les impératifs, les urgences ou l'opportunité de certains territoires et d'un dialogue à nouer avec ces forces politiques pour les prochaines municipales. Super. Donc, il nous reste 6 minutes dans ce webinaire. J'ai envie de vous donner la parole une dernière fois avec le dernier mot que vous avez envie de dire. Et puis surtout aussi une question. Aujourd'hui, de votre position, les personnes, les internautes qui nous écoutent, comment s'engager, qu'est-ce qui est important de faire aujourd'hui? Parce que on a beaucoup parlé, donc le MOOC, il y avait aussi beaucoup de théories, beaucoup de didactiques, on a montré aussi beaucoup d'expériences, beaucoup d'exemples. Et je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, il faut passer par l'action. Et donc, quelle serait, selon vous, l'action la plus pertinente, même si je sais qu'il n'y en a pas une plus pertinente, ça va beaucoup dépendre des territoires, des communes. Mais qu'est-ce que vous avez envie d'encourager? Je veux bien commencer comme ça, je laisse la parole après. Juste pour insister sur quelque chose d'un peu noir, qui est de dire qu'aujourd'hui, on est dans un temps un peu d'effondrement, un peu de crise démocratique profonde, qu'on a la chance aujourd'hui d'être dans un tournant qu'on peut saisir, qu'il ne faut pas le prendre comme une fatalité. Et je rejoindrai les premiers mots de ce webinaire qui était convivialité, envie, enthousiasme. C'est de se dire que oui, il y a des marges de manœuvre, oui, il y a des possibilités d'agir, et oui, la démocratie, encore une fois,
la raviver, la refonder et lui donner une chance de tourner positivement, c'est se rappeler que la démocratie, c'est pas seulement l'organisation institutionnelle, mais c'est la qualité des relations qu'on nourrit les uns envers les autres. Et déjà, quand on commence par soi, par sa famille, par sa relation, sa façon de parler, sa bienveillance, de coopérer, d'engager des choses, et on l'a dit, c'est boule de neige, hein. On va de soi à sa famille, à son association, à son territoire, à des dimensions plus larges. Donc voilà, la démocratie, c'est tout ça, mais ça commence aussi par ça, et là, il y a beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, plein de choses. Je ne vais pas réussir à en retenir qu'une, mais j'en dirai une assez évidente parce que c'est mon quotidien. Et du coup, n'hésitez pas à nous rejoindre dans Démocratie Ouverte si c'est des choses qui vous intéressent, parce qu'ensemble, on est plus fort et du coup, on est de plus en plus à s'intéresser à ces questions-là et à essayer de se regrouper. Il y a aussi d'autres associations qui s'intéressent à ces questions, mais rejoignez d'autres, parce que parfois, on se sent un peu seul. Alors, de moins en moins, peut-être en ce moment, parce que là, dans l'actualité, à la radio, à la télé, on en entend parler, et donc on parle peut-être plus facilement de ces sujets, mais parfois on se sent un peu seul, et donc aller en parler aussi dans des assos, dans des structures où c'est en train de s'inventer. Deuxième chose, peut-être des actions plus concrètes, mais n'hésitez pas à aller voir toutes les initiatives là qui sont dans le MOOC. Refaites le MOOC une deuxième fois ou partagez-le à un voisin, même si le MOOC en lui-même il ferme dans quelques jours, les vidéos elles sont accessibles, et donc rediffusez les vidéos et rentrez en contact avec tous ceux qui vous semblaient les plus intéressants dans toutes ces vidéos, parce que toi Yann et puis nous en aidant un peu, on a essayé d'aller chercher des gens très différents avec plein de solutions. Les solutions elles sont dans le MOOC, quoi, en fait, plein de solutions différentes de s'engager. Et puis peut-être aussi un maximum éviter de choisir la solution de la violence, quoi. C'est-à-dire que c'est bien de porter un gilet jaune, mais tout péter, c'est peut-être beaucoup plus problématique. Et du coup, il y a plein de solutions qui passent par de la non-violence. Donc n'allez pas dans la voie de la violence, s'il vous plaît. Il y a d'ailleurs tout un module consacré à la non-violence et il y a plus de 198 actions non-violentes possibles. Donc ça laisse quand même un large choix de panel. Avant d'en arriver là. Ce que j'entends à dire, c'est d'essayer de repérer les espaces de liberté, les endroits où on peut vraiment commencer à agir. Il y a plein d'endroits où on peut commencer à agir. Donc ne vous coltinez pas tout de suite avec le sujet qui est le plus compliqué sur votre territoire. Essayez de repérer le petit espace où vous allez pouvoir faire, vous allez pouvoir avancer alors, avec d'autres personnes, mais avoir le plaisir de vous retourner en ayant vu que vous avez planté des poireaux, pour utiliser la métaphore du jardinage. Il n'y a rien de pire que d'être par rapport à un sujet qui nous paraît insurmontable, qui va nous consommer beaucoup d'énergie, et quand on va se retourner, on va s'apercevoir que tout le temps qu'on a passé, on a l'impression que ça n'a servi à rien. Donc il faut se coltiner à ces sujets-là, mais pour pouvoir le faire, il faut qu'on ait des endroits où on peut faire pousser des poireaux. Donc il y a ce côté-là, et puis après, je vais reformuler de manière différente ce que disait mon voisin de droite, c'est... quand vous allez faire des choses originales dans votre territoire, vous serez seul. Vous serez considéré comme un peu des pionniers, comme un hurluberlu, etc. Donc il faut faire ça, il faut des hurluberlus, il faut des gens qui montrent qu'on peut faire différemment. Par contre, il faut que ces personnes-là soient forcément en lien, rendent visible ce qu'ils font, donnent à voir, documentent, et vraiment se mettent en lien. Parce que si jamais on arrive à cartographier toutes ces petites personnes qui font, prenons l'exemple du copain qui dit « moi je vais cette liste-là, je vais la faire à mon élu », ben, cartographions l'endroit où il y a autant de personnes comme ça qui vont faire ça à leur élu. Et on va voir que, ben, oui, peut-être que lui, ça ne marchera pas, mais à nous tous, quand on prendra du recul, on s'apercevra que s'il y a un tiers des personnes qui ont la même démarche que ce qu'il a fait, où il y a eu transformation, ben là, on va s'apercevoir de notre puissance collective. Et donc, je pense que c'est vraiment important d'avoir cette connexion individuelle, et là on sera dans les marges dont on parlait tout à l'heure. Je serai peut-être le fou du roi, je vais paraître comme l'écolo de service, le machin, le bizarre du village qui nous fait des réunions que vraiment on n'a pas l'habitude. Mais par contre, si je peux me connecter, me relier, là on va pouvoir transformer. Donc il faut de l'ancrage local, mais de la connexion au niveau global. Eh ben merci à vous trois, merci pour votre temps. Moi j'ai envie de rajouter aussi ma petite action, un peu comme l'a dit Armel, le MOOC se termine bientôt, le 13 janvier.
Mais voilà, les vidéos vont être très vite disponibles sur PeerTube, donc l'équivalent de YouTube, mais libre. Et voilà, n'hésitez pas à diffuser là où les vidéos qui vous ont plu, pas parce que c'est Colibri qui a fait un super MOOC, mais parce que c'est vraiment des initiatives que j'ai trouvées inspirantes, que j'ai trouvées courageuses, et qui réinventent voilà, la démocratie. Et c'est pour ça que nous, on a tenu à faire ce MOOC, parce qu'il se passe un foisonnement, en fait, et ça m'a permis de découvrir tout ça, et j'en ai des fourmillements quand j'en parle. C'est incroyable tout ce qui se passe, et à toutes les échelles, on a beaucoup parlé de municipalisme et d'échelle locale aujourd'hui, mais voilà, il y a vraiment à toutes les échelles, donc il y en a pour tous les goûts. Donc voilà, n'hésitez pas, allez voir et partagez. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, probablement sur le replay, je ne sais pas si on a redémarré Facebook, mais voilà, un grand merci et à très bientôt. Le prochain MOOC sur la gouvernance partagée, ce sera le 15 février qu'on démarre, et on se retrouve pour un nouveau MOOC à l'automne sur le zéro déchet. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt, au revoir. Au revoir.